Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing avec énormément, énormément de retard, puisque ça va être du Star Wars Destiny avec les starters Kylo Ren et Rey sortis les 2 décembre 2016, donc ça fait beaucoup plus d'un an. Pourquoi maintenant? Parce que voilà. Et voilà, je vais vous proposer un peu de regarder ce qu'il y a dans ces deux starters. Donc désolé, hein, y a les traces de prix ici et ici parce que je les ai enlevées comme un gros sagouin. Et voilà. Donc on va commencer par le starter Rey parce que c'est celui qui a le plus morflé dans mon sac. Hop. Alors, dans ce sens-là. Toujours avoir un couteau avec soi. Alors déjà, donc voilà comment c'est présenté. Voilà. Alors je connais absolument pas le jeu, hein, j'y ai jamais joué. Mais on m'a dit ouais tu verras, c'est cool. Donc ça c'est un deck. Ok. Ça fait très peu de cartes. Alors, pourquoi tu veux pas t'ouvrir, petit saligaud? Tu ne me résisteras pas tant que j'aurai le couteau de cuisine, le couteau de salle à manger et moi. Cette blague est périmée. Donc, vous allez avoir la carte de Rey, celle de Finn. Ensuite, carte de lieu capture, d'accord. Un flingue, une carte événement. Alors je suis désolé, le focus se fait pas automatiquement, je ne sais pas pourquoi, il faudra que je règle ça plus tard. Une carte de soutien deux fois, carte d'amélioration d'équipement, d'accord. Un événement, un soutien droïde, d'ailleurs j'ai pas vu, non c'était bien deux personnages. Une amélioration d'armes, un événement, un événement, un événement, une amélioration capacité, une amélioration armes, un événement, un événement, un événement, un événement, un événement, un événement, un événement encore, et une carte récapitulant les actions à faire pendant un tour, je pense, et les différents symboles de dés, ce qui est relativement pratique. Top. Donc tout est basé sur Star Wars 7. Non, je l'ai vraiment pas aimé. Ensuite, vous allez avoir 9 dés. Un dé rouge, je sais pas trop. Alors je suis désolé, je suis obligé d'être à cette distance-là. Car le focus refuse de se faire. Donc je vois des jeux d'armes plus 2, un truc, un carré plus avec un 1, une arme 2. Ça doit être sans doute pour les tirs de blaster, peut-être. Voilà. Et après, il doit y avoir différents jetons en fonction de ce qu'on utilise, en fonction de ce qu'on utilise et de chaque personnage, je pense. Voilà. Derrière tout ça, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons sans doute un rappel des règles, hein, explication de cartes et explication de règles. Voilà. La liste des cartes de l'extension Le Réveil. Donc c'est, il y a des boosters avec, hein, ils en font largement la pub juste ici. Donc les cartes de l'extension et voilà, bah, ils en font la pub de l'autre côté. Je sais absolument pas à quoi ressemble le booster parce que j'en ai jamais vu. Et voilà. Et des jetons en tout genre, en veux-tu, en voilà. Putain, ils emballent tout quoi. Non mais sans déconner. Ah, putain. Putain, je l'ai même pas transpercé. Ah si. Mais pas suffisamment. Voilà, désolé pour le coup dans le trépied. Voilà. Putain, il devrait emballer encore plus, hein, sans déconner.
Et donc des jetons, comme vous pouvez le constater. Sans doute des jetons marqueurs de dégâts, ça, sans doute. J'ai pris un dégât, un ou trois. Et ça, je sais pas. Et l'autre, je sais pas, le jaune. Mais voilà. Voilà pour le contenu du starter ray. Désolé pour le son dégueulasse. On va s'attaquer donc à celui de Kylo Ren. De Tatekilo Antro Ren. Voilà. La blague de merde est faite. Donc pareil, hein. Vous allez avoir les règles et exactement les mêmes jetons dans le starter arène. Vous avez à peu de choses près les mêmes dés, peu de choses près. Ah oui, c'est vrai qu'il a aimanté mon dessus de mon écran. Enfin, le bas de mon PC qui est juste à côté de moi. C'est pour ça que j'ai eu quelques difficultés. Vous avez entendu un vieux bruit sourd. Et donc, nous allons avoir Kylo Ren en personnage avec écrit disciple de Vador. Un Stormtrooper du premier ordre en autre personnage. Les désolations gelées en carte de capture. Un événement. Un soutien véhicule, une amélioration d'armes, un événement, un soutien enfin x2, une amélioration de capacité, un événement, une arme, un événement, une arme, une capacité, un événement, événement. Oui, je dis plus soutien parce que quand je dis, enfin amélioration, parce que finalement, c'est ça. Événement, 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 et la carte de rappel de tout ça. Donc voilà la petite vidéo sur l'unboxing des deux decks de starter de Star Wars Destiny. En espérant que ça vous a plu. Si vous avez d'autres améliorations, peut-être qu'il y aura une vidéo sur l'explication des règles. Tout ça, tout ça. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, à plus. Ciao, bye bye.